moi, j'ai eu l'occasion de faire ma première mise en scène à la LICA. Puis j'ai donc frappé les années 80 avec ça, en faisant Glengarry Glen Ross. J'avais fait une lecture, j'avais invité Jean-Denis à venir écouter la lecture à l'École nationale de théâtre. Et j'étais bien nerveux parce que Gilda ne s'était pas présenté, puis j'avais été obligé de jouer le rôle de Roma. Puis il y avait Jean-Louis Millette, puis Roger Blé, puis des acteurs importants ou que je considérais extrêmement importants et mes seniors. Et j'étais nerveux. Et Jean-Denis a aimé ça. Et ça a ouvert la porte. Puis après ça, ben on est allé faire ça, nous autres, dans l'année de transition. On a joué ça au cinéma L'Élysée. Puis on a repris le show ici, la première création, c'est-à-dire la deuxième show de la première saison du Théâtre Turquoise, qu'on aimait beaucoup. Et c'est un show qui a eu une belle durée, qui a lancé des carrières, en tout cas la mienne. Puis il y a une constante, c'est que je suis revenu à la maison pendant toutes les décennies. Je suis revenu ici travailler sur des textes de création. Et c'est formidable ce qui se passe ici, puis je veux juste souhaiter un autre 40 ans avec autant de pertinence que la Licorne a eue, qu'elle continue ce travail de fond qu'elle fait, actuel, social, engagé. Bonne chance à la Licorne.